Bonjour tout le monde, c'est Millie et Benjamin. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, ce matin, on a eu du moins 5. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas descendu aussi bas. Donc, c'était magnifique. Il y avait de la gelée partout. Je suppose qu'en certains endroits, vous avez carrément de la neige dans les vignes. Alors là, pour le coup, on vous envie un petit peu parce qu'on espérait avoir quelques allées de vignes blanches. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que d'ici la fin du mois de janvier, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, bon, alors un petit message pour vous dire que ce soir, je serai en direct sur la plateforme de Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Donc c'est un rendez-vous agri avec d'autres personnes. Donc le sujet, c'est le rôle des femmes dans l'agriculture. Vous me connaissez, j'ai pas trop ma langue dans la poche, donc j'aurai plein de choses à raconter. Voilà, et puis aussi Thierry nous a invités parce que... Comme vous savez, il a écrit un livre sur l'agriculture et avec Benjamin, donc on est un petit témoignage. Voilà, c'est un super livre. Vraiment, n'hésitez pas à aller l'acheter parce que vous allez apprendre plein de choses sur l'agriculture. Donc voilà, et nous avec Benjamin, qu'est-ce qu'on fait ce matin aujourd'hui. On est avec la pelle mécanique et le tracteur. On continue à nettoyer les abords du domaine parce que bon là, cette année, on y était pas mal en timing sur tout notre travail. Donc on en profite pour nettoyer tous les alentours du domaine. Ça faisait des années qu'on voulait le faire et là, comme on était bon dans le timing, on s'est dit allez, on se motive, donc ça va être chouette et ça va être encore plus beau quand on arrivera au domaine. Et puis c'est surtout parce qu'on a la pelle mécanique et ça nous aide bien comme il faut. Voilà, bon, ceux qui auront le temps ce soir, donc c'est à 21h sur la plateforme de Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Ceux qui auront le temps, n'hésitez pas à venir voir ce rendez-vous agri. Thierry, il en fait tous les lundis, donc c'est un grand passionné aussi comme nous. Donc pour ceux qui auront le temps, j'espère vous y retrouver. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.